C'est du camping sauvage, même s'il y a des orages, comme un gros cave. Ça fait une couple de jours que je campe dans le bois, puis je couche dans une tente, puis que je couche dans un sleeping bag qui est tout mouillé, puis tout tente. À cause qu'il mouille, puis qu'il vente, puis que je bouffe des plantes, puis des grenouilles vivantes, crues pour survivre, puis que je fais cuire de l'eau bouillante. Je vois des soucoupes volantes partout qui me tournent autour, depuis l'autre jour, comme des hosties de vautour. Les soucoupes volantes sont full gossantes, qui donnent à voir autour de 40 en ce moment, qui tournent autour de ma tente, puis de l'endroit où ce que je campe. Genre garoche, des grosses roches, dès qu'ils s'approchent trop proche de moi, stick les ovnis me gossent. Je pète des coches lorsqu'ils volent au-dessus de ma tente dans les airs, je grogne puis je lance des pierres. Puisqu'ils me tournent autour, mon feu de camp. Depuis l'autre jour, puis je veux qu'ils crissent le camp. M'en viens violent, je décide de monter à bord de l'orange volant. Car tout à coup, j'aperçois une pompe qui s'ouvre au centre d'une soucoupe volante qui atterrit par temps. Je me lève debout aussitôt et je rentre dedans en courant avec des couteaux et des plantes dans le ventre, des petits extras, des risques qui je les tue tout. Puis je me mets à piloter l'ovni aussitôt que le vaisseau décolle. Voyager à une vitesse folle dans l'univers, je suis rendu plus loin que Jupiter dans un autre système solaire. Mais je sais pas comment piloter ça, fait que je perds que des astéroïdes. Puis je réussis pas à survivre parce que le vaisseau est pas assez solide. La fin de l'histoire est assez bizarroïde, comme que le psychiatre a dit. Je me réveille que les hommes ont en psychiatrie quand j'ai trop pris d'acide, puis que j'hallucine des ovnis depuis l'époque du Covid.